Eh bien salut tout le monde, c'est Mister Sponge. Aujourd'hui on se retrouve pour le dernier épisode sans doute de Murdered à Soul Suspect. Et donc on est là pour plus sauver. Un seul geste. Ah oh, putain, je le non, savais. Pas toi, Rex. Ça n'a rien à voir avec elle, Abigail. Oh si, elle le mérite. Pendant 300 ans, je me suis chargé d'exécuter les sorcières qui souillaient notre glorieuse ville. Allons-y. Celles qui cherchaient à dissimuler leur contrat démoniaque et manipulaient des pouvoirs répugnants. Exactement comme toi. Ne me comparez pas à elle. Tout doux, tout doux. Mettez les mains en l'air. À l'aide. Non, ne fais pas de conneries. Mains en l'air. Arrêtez-vous immédiatement. Allez. Putain, ils vont se faire tout buter. Tout de suite. Abigail, arrête! Oh putain. Espèce d'ordure. Qu'est-ce que tu fabriques? Ça pue du cul. Pas maintenant. C'était toi depuis le début. Je ne voulais pas que tu découvres la vérité. Ronan, fais quelque chose! Bah ouais, bah j'essaye, ouais. Tiens bon, petite. J'arrive, j'arrive. Comment je fais, ouais? 20, 19, quoi? Comment se fait-il? Il suggère... putain, je sais pas, moi. Hurlement puissant. Ah, ça c'est cool ça. Ok, maintenant je vais me fight, tu vas voir ça. C'est terminé, Abigail. Oh putain, ça pue du cul ça. Vilaine cette fille, vilaine. Comment arrêter Abigail? J'en sais rien, moi. Non, 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 non. Oh putain. Ok. Et comment est-ce que je fais pour l'arrêter? Merde. Merde. Ok, d'accord, je panique. Ok, d'accord, je paniquais. Merde, du coup, comment est-ce que je fais pour la sauver? Comment je fais? Et oh putain, ne me dites pas que... Pas moyen de la passer, si. Allez, putain, les pauvres gardes aussi qui ont rien demandé. Elle suggère du hurlement puissant. Et après, comment est-ce que je pourrais faire? En possédant Rex, peut-être? Faut que je possède Rex, je pense. C'est terminé, Abigail. Rex? Non? Non? Comment est-ce que je fais, putain? Ok, d'accord, j'ai compris, en fait. Il faut que je la rush. Ok, d'accord. C'est bon, j'ai compris, il faut que je la rush, en fait. J'ai vu l'interaction qu'il y avait à la dernière seconde. Ok, on est bon. Cette fois-ci, on réussit. Oh, mais non! Oh là là, lâchez-moi putain. Cours, Forest. Hurlement puissant, tac. Allez, et là je te rush. Oh. Ah putain, mais dis pas que je suis à sa propre exécution en fait. Le moment est venu, Abigail Williams. Ah bah si, je suis à sa propre exécution. Fléau de Salem, l'heure est venue de payer pour tes péchés. Non, c'est impossible. Tu veux utiliser mes souvenirs contre moi? Je veux bien jouer avec toi. Et alors du coup, c'était Rex qu'elle possédait? Je connais la vérité sur ta mort.
mais je ne sais encore rien sur c'est, la c'est mienne. C'est Rex qu'elle possédait quand elle l'a tué. Tu t'es servi de Rex pour m'éliminer. Rex était mon tueur le plus influent. Le plus respecté. Le plus craint de tous les puissants de la ville. Oui, je me suis servi de vous. Et du coup, comment est-ce qu'il savait pour l'église ? Comment est-ce qu'il savait pour l'église ? Mais enfin, comment est-ce possible ? Le tueur de Rose avait les yeux bleus, ceux de Rex sont noirs. Je n'ai pas utilisé le même tueur pour tous les meurtres. Oh merde. Baxter. Ouais, mais pourquoi t'as essayé de le tuer ? C'est vrai ça ? Pourquoi as-tu tué Baxter ? Je finis toujours par éliminer ceux dont je me sers. En particulier, ceux qui sont sur le point de tout découvrir. Mais comment... Ah, c'était Rex, donc... qui a tué Baxter. Et pourquoi tu m'as tué ? Mais moi, j'allais rien découvrir dans l'appartement. Je n'étais pas l'un de tes par tueurs. Plaisir ou pourquoi un truc comme m'avoir ça. Tué ? Oula, ce regard de Satan même. Oh non ! Oh non ! Non. Impossible. Non, mec, non. Non. C'est moi qui ai tué la nana du lac. Non, impossible. Non, comment j'aurais pu ? Oh oh. Tu m'as forcé. Tu vas prendre cher. Tu vas prendre cher, gamine. Tu vas prendre tellement cher. Tu vas prendre tellement cher. Là, c'est le moment de faire un cliffhanger si ou alors un Deus Ex Machina. Tu viens avec moi. Oh! Oh! Hop là, prise à son propre piège, dans ta gueule, sale gamine. Ah putain. Mais en fait, c'est con parce qu'il y a tellement de gens qui sont morts du coup. Putain, il y a tellement de gens qui sont morts. Mais ah, ce twist, quoi, c'était moi qui avais tué la nana. C'est pour ça qu'elle voulait pas me parler. Pour ça, on a tous une part de ténèbres. Certains la dissimulent. D'autres pas. Avec de la chance, cette part peut demeurer secrète. Pour la loi, Rex était un tueur. Mais la loi ne l'a jamais découvert. Joy le savait. Mais elle n'est pas du genre à le dénoncer. Elle l'aiderait plutôt à effacer ses traces. Ce qui est sûr, c'est qu'elle vaut beaucoup plus que moi à son âge. Cette gamine mérite l'absolution. On lui doit bien ça. Et même le plus dur des flics peut fermer les yeux sur quelques délits mineurs commis par une ado à la recherche de sa mère. Oh putain. Maman ? Le crieur des morts n'a plus tué depuis le jour de la disparition d'Abigail. L'affaire n'a jamais été close. Les souvenirs s'estompent, le temps passe. Avec de la chance, Salem finira par trouver la paix. Mon père disait toujours, la mort efface les dettes. Et pendant un temps, j'y ai cru aussi. Mais à vrai dire... On ne peut quitter cette vie qu'en assumant ses responsabilités. En étant honnête.
en remboursant ses dettes. Et alors, enfin, on peut partir. Ronan ? Putain de jeu. Ah, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Putain, la fin est magnifique, quoi, avec la gamine qui retrouve son père. Rex, qu'elle ne dénonce pas d'ailleurs. Je pense que Rex a quand même des problèmes de culpabilité, puisqu'il sait justement qu'il les a tués. Je pense qu'elle lui expliquait qu'il était possédé, etc. Mais, donc je pense que... Je sais pas si elle lui a dit, mais en tout cas si elle ne lui a pas dit, je pense qu'il doit être salement avoir un sale sentiment de culpabilité. Mais le twist final, comme quoi c'est nous qui avons tué la gamine du lac, franchement ça je m'y attendais absolument pas. Le reste, honnêtement, on pouvait s'y attendre. Rex qui était depuis le début le crieur des morts, avec Baxter aussi un peu, que c'était la gamine, parce que je sais pourquoi maintenant la gamine elle savait que c'était à l'église. C'est parce qu'en fait, vous souvenez, à la fin quand on est sorti de l'église, elle nous regardait au haut du clocher. C'est donc pour ça qu'elle savait que la gamine était là. Mais putain, j'ai adoré. Franchement, c'est un superbe jeu. C'est un superbe jeu et franchement, j'applaudis vraiment Square Enix pour avoir pondu un tel chef-d'œuvre. Moi, en tout cas, j'ai passé mes 15 épisodes absolument magnifiques dessus. Encore merci Square Enix. Et puis voilà, ça clôt un peu donc la saga. D'un jeu que j'adore et que j'adorerai encore assez longtemps. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle saga de vidéos. Sur ce, portez-vous bien, partagez les vidéos et on se retrouve dans un nouvel épisode très bientôt. Ciao tout le monde !